بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On commence le programme du tronc commun Biof avec Grantin. Donc on va faire un rappel minutieux et en détail des ensembles mathématiques, bien sûr, l'ensemble N des entiers naturels, l'ensemble Z des entiers relatifs et l'ensemble des nombres décimaux D, l'ensemble des nombres conscients, ainsi que le grand ensemble, l'ensemble des nombres réels. Donc, on va consacrer petit 1 à l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels. Donc, qu'est-ce qu'on désigne par grand n en mathématiques? Tous les nombres naturels, on va les mettre dans un seul ensemble, et cet ensemble, on va l'appeler l'ensemble des nombres entiers naturels. Bien sûr, on va le noter n, mais on va le distinguer de n du français majuscule en doublant, bien sûr, le premier trait. Donc, voilà, on va écrire cette définition simple. Donc, l'ensemble n, les nombres entiers naturels, forment un ensemble qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels. Et que quand l'on note, et quand l'on note grand N, mais on a dit il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas écrire les ensembles en mathématiques comme bien sûr les lettres en majuscule du français. Donc il faut toujours doubler le premier trait. Donc on écrit grand N. Il contient les entiers naturels, bien sûr. Il commence par 0, 1, 2, 3, 4. Et on met, bien sûr, 3 points de suspension. Pourquoi ces 3 points de suspension? C'est tout simplement, ça veut dire que, bien sûr, on ne peut pas écrire tous les éléments de n du fait que n est un ensemble infini. Donc, oui, il a un plus petit entier naturel qui est 0, mais malheureusement, et il n'a pas un plus grand entier naturel. Donc c'est pour cette raison qu'on met 3 points. Ça veut dire que l'ensemble n est infini. Maintenant, on va passer aux remarques. Donc si n est un entier naturel, alors on écrit tout simplement n appartient à n. Autrement dit, au lieu d'écrire cette expression qui est longue, donc, grâce à la définition précédente, on met tout simplement n appartient à n. Et c'est ça l'avantage de la notation en mathématiques. Donc, la notation a un rôle très important en mathématiques. Ça nous permet, bien sûr, de réduire, au lieu d'écrire des expressions qui sont longues et assez longues, donc, on l'écrit de façon rapide, bien sûr, et simple, grâce à la notation. Donc, lorsqu'on voit dans un énoncé mathématique n appartient à n, ça veut dire tout simplement que n est un entier naturel. La deuxième remarque, n a un plus petit élément, oui, qui est 0, mais malheureusement, n'a pas de grand élément. Donc, il faut mémoriser bien ces résultats. Donc, on dit que l'ensemble n est infini. 1, 3, des exemples. Moins 3 n'appartient pas à n, puisque l'ensemble n ne contient pas les nombres négatifs. 1 demi non plus n'appartient pas à n, puisque 1 demi c'est 0,5 et les éléments de n ne possèdent pas de virgule, bien sûr. 5 appartient à n, racine de 2 n'appartient pas à n. Donc maintenant on va faire des applications pour bien assimiler et comprendre cette première partie de cette leçon qui est les ensembles. Exercice de catégorie A, autrement dit, ce sont des exemples ou bien des exercices simples. Ce sont des applications directes. Donc, complétez par le symbole appartient ou n'appartient pas dans les situations suivantes. 2021 N, moins 2020 N, 1005 sur 3, N, 144 sur 4 appartient ou non à n et 10005 sur 5 appartient ou non à 5. Mais le plus important, il ne faut pas utiliser la calculatrice. Autrement dit, vous devez répondre à, bien sûr, ces questions sans l'utilisation de la calculatrice. Donc voilà, on va passer à la solution, bien sûr, détaillée. Donc, la première question, 2021, c'est clair, il appartient à n. Quand est-ce que,
quand pas moins 2020 n'appartient pas à n, puisque négative n, comme on l'a dit, ne contient pas les nombres négatifs. Maintenant, la troisième. Donc, nous sommes obligés, bien sûr, d'adopter la propriété qu'on a vue au primaire et au collège. Quand est-ce qu'un nombre entier naturel constitué par plusieurs chiffres est un multiple de 3, si et seulement si la somme de tous ces chiffres est un multiple de 3. C'est ce qu'on a fait. Donc, on va faire la somme de tous ces chiffres. Donc, 1 plus 0 plus 0 plus 5 est égal à 6. Et puisque 6 est un multiple de 3, donc on déduit facilement et sans l'aide de la calculatrice que le nombre 1005 est un multiple de 3. Et si le numérateur est un multiple de 3, donc automatiquement, leur quotient, il appartient à elle. Donc, ça, c'est une propriété qu'on va voir plus loin, qui est indispensable. Quand est-ce que le rapport, ou bien le quotient de deux entiers naturels est aussi un entier naturel, si et seulement si le numérateur est un multiple du dénominateur, ou bien le dénominateur doit diviser le numérateur. Passons à la question 144 sur 4. Est-ce qu'il est un entier naturel? Donc, on doit avoir 144 un multiple de 4. Donc, pour cela, on va utiliser une autre propriété très importante vue aussi au primaire et au collège. Un nombre qui est un nombre naturel est un multiple de 4 si et seulement si le nombre constitué par son chiffre d'unité et son chiffre de dizaine est un multiple de 4. Or, le nombre constitué par le chiffre d'unité et de dizaine dont le nombre 144, c'est 44. Et 44, c'est 4 fois 11. Donc, 44 est un multiple de 4. Et puisque 44 est un multiple de 4, donc on déduit facilement que le nombre entier, 144, est aussi un multiple de 4. Et puisque le numérateur est un multiple du dénominateur, donc leur quotient appartient à n. Ainsi que la dernière question, aussi, on a une propriété, un nombre entier naturel est multiple de 5, si et seulement si son dernier chiffre est 0 ou 5, ou bien son chiffre d'unité est 0 ou 5. Et puisque son dernier chiffre c'est 5, donc 10005 est un multiple de 5, par conséquent, le numérateur est un multiple du dénominateur, donc leur quotient appartient à elle. Maintenant, passons aux exercices catégorie B. Nécessite un peu, bien sûr, une concentration et certains propriétés, bien sûr, vues précédemment. Donc, soit A appartient à N. Regardez bien l'avantage de la notation. Qu'est-ce que ça veut dire appartient à N? Donc, A est un entier naturel. Et A supérieur ou égal à 3. Montrez que racine de A moins racine de 3 fois racine de A plus racine de 3 appartient à N. Petit B, montrez que 2 racine de A moins 1 au carré plus 4 racine de A appartient à N. A appartient à N, B appartient à N étoile. N étoile, bien sûr, c'est N moins 0. Autrement dit, c'est l'ensemble N privé de 0, donc ces éléments commencent par 1. Donc, il ne contient pas 0. 1, 2, 3, etc. Déterminer les conditions pour que A moins B appartient à N et A sur B appartient à N. Ces applications numériques, est-ce que A moins B et A sur B sont des entiers naturels dans les cas suivants? A est égal 2019, B est égal 3, A est égal 9, B est égal 19, bien sûr, sans l'utilisation de la calculatrice. Passons à la solution. Donc, remarquez bien que racine de A moins racine de 3 multiplié par racine de A plus racine de 3, donc A a la forme d'une identité remarquable que je viens de rappeler ici. A moins B fois A plus B. A moins B fois A plus B. Donc, c'est A au carré moins B carré. Avec A, bien sûr, qui joue le rôle de A, c'est racine de A, et B, c'est racine de 3. Donc, tu as racine de A au carré moins racine de 3 au carré, grâce à l'identité remarquable. Est égal à moins 3, car la racine de A au carré est égale à A. Attention, il faut faire très attention. Donc, racine de A, lorsque l'exposant 2 est à l'extérieur de la racine carrée, c'est tout simplement A. Mais on va voir plus loin
Inch'Allah, que si l'exposant est à l'intérieur, autrement dit racine de A au carré, alors là, il faut mettre valeur absolue, la valeur absolue de A. Donc, est égal à moins 3, et comme A supérieur ou égal à 3, donc A moins 3 est positif, donc A moins 3 appartient à N. Par conséquent, racine de 3, racine de A moins racine de 3, fois racine de A plus racine de 3 appartient à N. Passons à l'exercice petit b. Donc il suffit bien sûr d'appliquer l'identité remarquable a plus b au carré, que j'ai rappelé est égal a au carré plus 2ab plus b carré. Il faut bien mémoriser, bien sûr, et maîtriser les identités remarquables, puisque ce sont des outils indispensables en mathématiques. Donc est égal 2 racine de a au carré, il faut utiliser les parenthèses, bien sûr, pour éviter les erreurs. Personnellement, je considère que les parenthèses sont la ceinture de sécurité pour éviter, bien sûr, toutes sortes d'erreurs possibles. Moins 2 fois 2 racine de A fois 1 plus 1 au carré plus 4 racine de A. En utilisant l'identité remarquable, bien sûr, est égal 2 au carré racine de A au carré moins 4 racine de A plus 4 racine de A. Et attention, vous allez ajouter plus 1 puisque je l'ai oublié. Hein. Plus 1 au carré, donc vous allez ajouter là plus 1. Donc le moins 4 racine de A et 4 racine de A, deux nombres opposés, ils vont se simplifier. Il ne reste uniquement 4 racine 4A et il faut ajouter le plus 1 que j'ai oublié, plus 1. Et 4a plus 1 aussi là, ajouter plus 1, appartient à n. Pourquoi? Parce qu'on a 4a et 1 appartient à n. Donc le produit de deux entiers naturels est un entier naturel. Et la somme aussi est un entier naturel. Donc 4a plus 1 que j'ai oublié appartient à n. Donc par conséquent, 2 racine de a moins 1 au carré plus 4 racine de a appartient à n. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est très important. Donc, pour pouvoir, bien sûr, déduire facilement les conditions pour que A moins B, A sur B appartienne à N, donc voilà, je vais donner quelques exemples, des petits exemples pour faciliter, bien sûr, la compréhension de cette deuxième question petit a. Si je prends, par exemple, A est égal à 2, B est égal à 5, regardez bien que j'ai pris le premier inférieur au deuxième. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Si vous faites A moins B, vous allez trouver un plus petit moins un plus grand. Il y a un nombre plus petit que le deuxième, donc leur différence est évidemment un nombre négatif. Or, le nombre négatif n'appartient pas à N. Donc, quelle est la conclusion immédiate? Si on a A moins B, AB, A et B, deux entiers naturels, et le premier est inférieur au deuxième, donc automatiquement, leur différence n'appartient pas à N. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Donc, le premier supérieur au deuxième. Donc, par exemple, si je prends A est égal à 8, B est égal à 3. Regardez bien que A moins B est égal à 5 appartient à N. Pourquoi? Donc, si on a A et B, deux entiers naturels, avec le premier supérieur au deuxième, donc évidemment, leur différence appartient à N. Donc, à partir de ces deux petits exemples, donc je peux bien sûr, déduire la condition pour que A moins B appartienne à N d'une manière générale, sachant que A et B appartiennent aussi à N. Donc voilà la condition, A moins B appartient à N si et seulement si. Ça, c'est l'abrégé de SI, c'est l'abrégé de si et seulement si. A supérieur ou égal à B. Il faut bien mémoriser et retenir, bien sûr, cette propriété. Pour la question petit b, on va adopter la même technique, on va procéder par des petits exemples pour pouvoir déduire finalement la condition. Donc si A est égal à 18 et B est égal à 3, alors A sur B, regardez bien que j'ai pris cet exemple, c'est-à-dire j'ai pris A est un multiple du dénominateur. Alors dans ce cas, oui, 18 sur 3 égal 6 appartient à N. Car 3 divise 18, ou bien on peut le dire autrement, 18 est un multiple de 3. On va prendre un autre exemple. Voilà, donc je vais considérer maintenant A est égal à 17 et B est égal à 5. Regardez bien que A, 17 n'est pas un multiple de 5.
Donc, comme 17 n'est pas un multiple de 5, donc automatiquement 17 cinquième n'appartient pas à n. Et si vous faites bien sûr la division, donc vous allez voir qu'il contient une virgule. C'est 3, quelque chose. Donc, n'appartient pas à n puisque n ne contient pas les nombres contenant des virgules. Donc, voilà, on va déduire la condition. Donc, d'une manière générale, donc si A et B sont deux entiers naturels, quand est-ce que leur quotient ou bien leur rapport appartient à 1 si et seulement si le dénominateur divise le numérateur, ou bien on peut le dire autrement, le numérateur est un multiple du dénominateur. Donc, nous allons terminer bien sûr par l'application numérique. Donc, 2019 supérieur à 3, donc grâce à la condition précédente, donc automatiquement la différence appartient à n, et qui est d'ailleurs 2016. 2019 est aussi multiple de 3 sans l'utilisation de la calculatrice, puisque si vous faites la somme de ces chiffres, voilà, c'est égal à 12, et 12 est un multiple de 3. Et puisque le numérateur est un multiple du dénominateur, donc le rapport appartient à n. 9 inférieur à 19, donc automatiquement la différence n'appartient pas à n, d'après la condition précédente. Et 9 non plus ne divise pas 19. Donc, 9 sur 19 n'appartient pas à n. Donc, à retenir, c'est-à-dire des propriétés indispensables pour l'ensemble n, si nous disposons de deux entiers naturels AB, alors automatiquement leur produit et leur somme toujours il appartient à n, sans condition. Mais A moins B, leur différence appartient à n si et seulement si le premier doit être supérieur ou égal au deuxième. Et leur quotient appartient à n si et seulement si A est un multiple de B. Donc voilà un petit exercice pour la recherche. Déterminer les entiers naturels A, vérifiant 2A moins 1 strictement compris entre 1 et 9. Donc voilà, on a terminé la part numéro 1 de cette première leçon, les ensembles. لا تحرمون من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.